Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Les nouvelles qui nous viennent de Kinshasa, c'est le forcing qui finalement sera mis à jour où le Parlement va finalement trancher sur cette histoire-là de la CENI. Donc, nous allons assister la semaine qui commence dans une ambiance où nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je crois, ont déjà manifesté leur mécontentement de cette commission paritaire qui est animée par les gens de l'UDPS. Et c'est là qu'on taxe que non, l'UDPS est en train de faire le forcing et ne veut pas, il veut vraiment pérenniser un système dictatorial, laissez-moi, disons, permettez-moi le terme, où l'UDPS veut diriger ce pays par des choses que lui-même veut, disons, par une dictature qui, qu'on pourra dire que non, bon, vu ce qu'ils sont en train de faire, c'est une dictature, quoi. Alors, aujourd'hui, pendant cette semaine, nous avions décidé que nous allons encore réfléchir une fois de plus sur ce qui ne marche pas et comment remédier à ce qui peut nous sortir de ce marasme économique, politique et puis structurel de notre pays. Nous allons parler du Congo de demain. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus, éclaircir notre point de vue sur comment rétrocéder le pouvoir au peuple et commencer une république, la 4e république que nous avions dit, où le peuple sera au centre et la responsabilité du peuple sera effective. Donc le peuple sera en face de ses responsabilités. Nous allons parler de ça et puis si nous reste un peu de temps, nous allons parler un peu de l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, donc ce week-end. Et puis, nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet qui est le Congo de demain. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Félix Tshisekedi à Berlin pour participer à la conférence Compact. Et puis, PPRD, RDC, un proche de Ramazan Ishadari démissionne du PPRD. On va sur actualité.cd, Kabound aux obsèques de Kyungu. Aussi longtemps que l'UNAFEC survivra, l'œuvre du Gabriel Kyungu ne disparaîtra pas. RCD Ituri, de nouvelle attaque à une trentaine de kilomètres de Bunia, deux blessés par balle et des déplacements de population signalés, des agents de l'État auteurs d'au moins 27 exécutions sommaires en un mois. On va sur Congo profond.
Kasongo Mouema sur l'état des sièges. Les ADF fuient l'offensive des FARDC et s'en prennent aux civils sur leur chemin de fuite. Congo Central, le gouverneur Atou Matoubouana accusé de détournement plus de 5 millions de dollars. 7 sur 7. Fin des phénomènes sous-traitance abusive. L'agent placé dans une entreprise doit immédiatement signaler un contrat. Et puis, à circulation routière à Kinshasa, 11 roulages pris en flagrant délit et mis à la disposition de la police. On termine par Radio Okapi. Kinshasa, arrestation d'environ 100 présumés fabricants de la drogue Bombé. Et puis, à Butembo, reprise de travail par certains infirmiers avant la levée de grève. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, merci beaucoup en tout cas encore une fois de plus d'être nombreux à nous suivre. On va d'abord essayer un peu de vous parler de ce que nous sommes. Donc, je vais prendre un peu de temps pour vous parler un peu de cette chaîne ici. Où est-ce que nous sommes? En tout cas, nous approchons maintenant les 20 000 abonnés. Mais nous avons nous voulons aller un peu plus loin vraiment. Si vous pouvez encore une fois de plus, vous partagez nos émissions et puis ne suivez pas tout simplement et puis nous appelez pour nous encourager. Parce que si nous continuons à le faire, c'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui mettent des j'aime, il y a des gens qui partagent nos émissions. Si cela n'était pas là, vraiment, on aurait déjà quitté YouTube ou bien nous aurons déjà fermé nos portes. Mais c'est par vos encouragements, c'est parce que vous participez. Si nous choisissons un titre comme celui-ci aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens battent belé, battent ba mingi sana, balikwa ba napenda tu ba elezé tena un peu plus sur qu'est-ce que nous pensons de Congo de demain. Parce que ma position a été toujours que tout ce qui se passe pour l'instant, ce n'est qu'une transition. O makamunyo soza ko sale malelo eza ka transition. Toko komelo esika mokote mboka na biso e ko se développer te tant que to tiena no biloko nyoso en place. Ko tia biloko nyoso en place ezlingi kolobani ni yango tozolo belalelo Congo de demain. Toko koma wana ndenge nini? Qu'est-ce que nous devons pourchasser avant que tout ça va bilo konyoso na nzela ko lobake non mboka ekoki ko kambama na lolenge o ezo kambama lelo te pour que mboka kambama il faut ba tunyoso bazala isengo e lisanga moko to se reconnaître entre biso to ye ba droit na biso eza wapi place ni eza wapi na kopesa bino ningisa moko a lelo par exemple les nominations Babylon konyoso ba ministre tout ça c'est pratiquement ça qu'on se partager kaka politique na politique or politique ça kokosa batu batu za kokosa lelo koyoka mokonzi moko aye onga mtu na kosala la bino boy onga ne na kosala boy parti moko koya biso ne toza na vision boy biso ne toza na vision tout ça peuple azotika la kalibanda bazako peuple azako tala kaka ba politiciens. Ba politiciens bango ne mutu bazako gagner mingi bazako se kovimbisa ba poche na bango bazo yiba bazako teka mboka na biso libanda peuple azotika la ka pauvre le pays n'avance pas dans cet imbroglio lelo toza kobunda na omutu nini akozala na seni pourquoi biloko na ekokaki kozala te na banzi bomoni meme ba mboka ya mike mike neti Tanzanie président Koufi mala moko bayedi eloko nini bazo sala et pas na biso toyi bakate eloko nini ngwe kokende lobite c'est pour cela nous nous sommes dit totika babiloko wana mokonzi oyo biso toko supporter eza mokonzi oyo akoya ko planter ba jalon ya koloba ke non tozongisa mboka na ndenge mboka ezotongama eza la te ke mutu akoya ko pérenniser système oyo po eloba ke non eza tour na biso lelo mboka na biso eza confronté na ba difficulté belé tozo mona tribalisme pai to sala boyo ba élection et comme mabe tozo e batete ba élection ngo pour to sala élection il faut identification to sala na identification te
Mboka na biso bato baza na ba province baza ko koma de plus en plus pauvre tandis que kuna nde ba minerai za kobima. Donc milinga milinga ezali ebele. C'est pour cela nous nous sommes dit bande ko tola kisabino tuba oneshe fasi gani njonya fo tuna pacho anjia toko bande la wapi biso position na biso a na contact pro life eza kola kisabatu toko banda wapi poto kende bi toke ne liboso. Alors président oya ko banda na ko poser ba signe koloba tozo tonga ne mboka tozo ya te ko pérenniser système moko boye o bantu moko boye ne ba ko diriger na système o toza na ngo eza système unitarisme. Donc o komona makambu nyonso tu eza ko salema na Kinshasa soki o kozwa autorisation kakata ya ko sala ya kozwa ba mine kuna na région ou bien ko sala nani bo ordre moko bo il faut que ndeka na Kinshasa nde bako autoriser mutu ake ne ko sala musala na neti na bunia tout ça non biloko na yango na toza ko combattre parce que unitarisme est montré ba nani na ba limite na yango unitarisme eza kobongisa mboka na biso lisusu te. C'est pour cela que nous sommes dit réfléchissons total ndenge nini mususu. Même pendant l'indépendance, bah déjà, on avait déjà parlé de cette histoire ici. Mokonzi akoki kozala musika te na batu na ye. Ba pouvoir ya batu na ndenge ezali lelo, eza musika ba pouvoir eza kaka pouvoir eza kaka moko. Okoyoka, mutu nyonso tu o aza na mbandaka soki baza na conflit kuna oh non mokonzi fata la likambo oh président. Donc nous avons fait du président de la république un dieu, un monsieur à tout faire. Même salaire à batu batu bazo réclamer à président boy oh mutu boy président sala boy likambo nyonso koma kaka président. C'est pour cela nous nous sommes dit total nanu ndenge nini qu'est-ce que nous pouvons réfléchir autrement pour que mboka na biso batu na batu bazala ka face à responsabilité na bango. L'exemple encore typique ezali makambo ya passeport bozomona ka ba exemple ezebele ke ezo la kisakaka ke mboka na biso ezo kende liboso te pona ozwa passeport yo congolais mutu oyo toloba oza na ingende commerçant asala ka misala na ingende alinga a voyager il faut ya ka na Kinshasa. Moi je n'ai pas biso batu musu totambola na bamboka ebele pour que on soit kaka identité na pourquoi enregistrer moi na tu ne peux pas faire plus d'un kilomètre. L'état sala de façon que atia ba bureau à côté ozana besoin ya ko sala nani permis boye et ko ko uta Kinshasa kaka te mutu azana Lubumbashi batu baza ko sala bota likambo ya IGF. Bato bako kontrolaka misolo ya leta il faut kaka ba utaka Kinshasa ba o kontrole bino bino bato boza kuna bozo sala nini okoyoka mutu moko o azui ya affaire étrangère auti na affaire étrangère na Kinshasa ake ko sala capture na Butembo mutu wana Butembo mbongo ya za na valise mbongo. Donc il y a des choses que nous disons que biloko ezwa ko salema Ezaka kanango transition. Vous m'aviez posé la question sur arrestation ya ministre. Oh non, pas comme Koloba. Non, vous omona. Maintenant, on commence aussi à arrêter les gens de l'IDPS. Tout ça, c'est de là. Et que ça, les locaux, mon côté, n'a pas de cannabis. Ce qui se passe maintenant, notre position, Batouboye Bayango, biso tozo considéré que Babiloko, Ezaka, Kaba, douleur et enfantement. La vraie république. Eza koya na bato oyo ya sika oyo bakoponama na peuple tango kozwa bokonzi nango. Alors comment on va y arriver tokokoma kuna ndenge nini? C'est ça le problème. Nous avions pensé que le président de la république Etienne Tshisekedi oyo akoti sikoyo il fallait aya na mbongwana eza koloba nini mbongwana selon nous. Selon le peuple congolais, ça qu'on perd sa pouvoir na peuple maintenant. Réorganiser le peuple à la base de façon que batu na batu, tout se reconnaître d'abord. Nani aza nani. C'est comme ça que nous nous sommes dit.
likambo nyonso il faut bandana nuna identification bato belé bazako ya encore ko compliquer ba calcul. Oh non, nous allons faire un recensement administratif, oh non, cartographie mboka mboka na biso eza na babilo ko nyonso tout tango toza ko yeba chefferie eza wapi, territoire eza wapi, groupement eza wapi, secteur eza wapi, okoya ko yebisa biso ki babilo ko na existe kate. Il faut créer biloko asika. Et nous, les Congolais, nous avions négligé toutes ces structures-là. Ton négligeant, Yango, pourquoi? Parce que nous voulions justement ton ravir pouvoir côté Kuna et Zalakaka côté Abissomoko Awa. Or, si aujourd'hui nous pouvons remettre le pouvoir au chef de groupement, au chef de secteur, à l'administrateur de territoire, Naba Baba, gouverneur de la province, Kosala ba assemblée wana ezo sala vraiment na ndenge moko ke non bango ils sont en charge ils sont devant leur propre responsabilité ba makambo ya parti politique au niveau ya likolo tokokai ko définir. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by 4-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Ce qui est parti politique, ah, même la constitution le dit, mais nous avions piétiné tout ça pour que nous sommes en train de faire ça. Nous sommes en train de faire ça. Nous sommes en train de faire ça. Non, nous sommes en train de faire ça. C'est par des envies. La corruption, c'est comme ça que nous avions piétiné toutes ces histoires-là. Imagine-toi un parti politique qui est à la canne pour Shabbat. Au cas où un parti politique est même à 10 000 personnes. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Si nous pouvons rentrer au basique, comme on dit, tozonga na bandeli, comment nous allons redresser ce pays? Pour éviter d'abord le tribalisme. Tribalisme est y a un système ou un unitarisme. Parce que vous avez se protéger. On va éviter ça comment? C'est en renvoyant tout le monde. Ça, c'est le premier point que j'avais soulevé. Batounion, surtout, il faut se renvoyer dans la circonscription, dans Bango. Respecter la cartographie du pays. Na place où le territoire est allé, le secteur est allé. C'est comme ça que moi j'ai dit, comme nous avons 26 provinces et que nous avons 145 territoires, nous devons commencer par faire les états de lieu de ces 145 territoires. Dans l'état de lieu, nous allons discuter quoi? Nous allons discuter sur le recensement, sur l'identification, sur l'administration de nos territoires. Batuna katina bango bakoye bana awa biso tozala kabanani. Et c'est par là que nous allons commencer. Maintenant, un président qui viendra en posant des actes allant dans ce sens-là, il y a qu'à remettre le pouvoir na katia ba peuple. Nous allons le supporter et ça ne peut que se voir. Et comment on en a dégainé? Nous avions fait un plan, par exemple, en disant que Bilo Konyon, ce président, a été yasika, a posé, ba projet, a touché tous les 145 territoires. C'est celui-là que nous reconnaîtrons. Et ça, le projet était que non, l'administration est fonctionnée. L'identification, en tout cas, à Wabiso Tomoni, pour tout ça, l'identification, Nabiso Malamu, Tomoni, à Tozala Kabanani, notable, Nabiso Bazawa, Boyana Nuto Solola, Total Neinin, quel est le plan que nous allons faire pour que nous puissions nous identifier? Et ça, la tête que non, Kinshasa Nemutu,
ba créer le sous moi et le komoko boyono yango ne mutoko s'occuper na identification. C'est ça, c'est par là que nous sommes en train de nous dire ba tricherie bandaka kuna. Mais par contre, si vous nous donnons le peuple l'occasion, l'opportunité à s'organiser à la base en disant vous êtes devant vos propres responsabilités. Territoire ou ça territoire na bino bandeko. Botala na ndenge nini boko s'identifier kuna. C'est ainsi que le conseil banani ba état de lien ba territoire wana il sortira des gens qui seront supportés par la population à la base ba koyeba ba projet nini yango il faut na ba territoire na bango il faut isalement qui bazana nini oyo ko kikozala ko valoriser territoire na bango. Comment est-ce que nini yango bazangi eloko nini yango ba ko sala? Il faut que les Congolais puissent commencer à réfléchir au niveau de la base pour que to yeba to kokoma wapi. Mais tant que Congolais ne peut pas être en mesure de se prendre en charge, de commencer à se dire que non, awa na territoire na biso sécurité na biso ezalaka menacé parce que toye banaka te tokoki kozala ko se ko matela na te mutu na mutu mutu a plus importance à la te to vanda toye ba territoire na biso tokosala ngoneni biso awa na kati ya territoire awa toza par exemple na 20 tribus tribu nini angola tokosala identification. Comment est-ce que nous allons identifier ces 20 tribus et kozala ndenge nini? Nous devons réfléchir ba Congolais ba ngomoko basa la babiloko wana eza la te loko moko toko kalke ona Kinshasa yoti ko sale maboye Kinshasa yoti ndi batukuna te. Il faut que les gens à la base puissent vraiment commencer à réfléchir à koloba toko sala boye poke pour que mboka na biso awa territoire na biso toza la organiser et loko toko yiko sala yango te awa mutu te oya za na biloko. Il faut que ces lois là puissent être définies maintenant à la base. Pourquoi la zone au Baboué? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accuser un coin de la capitale, un coin du pays où il n'y a pas d'intellectuels. Tokoki ko va accuser en moté. Tout ce qui viendra en dérobant le pouvoir à la base et kozala et ko mené bisone loko mokoté. Banzete, les bois qui sont en train d'être exploités à l'équateur, il faut que ce pigment, il faut que les équatoriens puissent se dire finalement, banzete na biso e kendaka wapi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que to valoriser mboka na biso? Comme tout ça doit être étudié na kuna na katia base kuna. C'est à la base que toutes ces réflexions doivent être portées que batou baye bato ko sala nini awa. Parce que les réalités de chaque coin du pays diffèrent. On ne peut pas venir avec non toko yana ka mutu moko auti Kinshasa bandi awa ndeko ko banda ko sala boye. Non, les gens à la base doivent se dire que awa biso to sala les réalités d'ici pour que to sala identification. Voici ce que nous sommes ici, comment nous allons faire, comment nous allons procéder. Et que eloko wana et aboutir na koloba que non, bon, voici notre carte d'identité, il sera comme ceci. Awa tokoyeba que non, si ko au niveau national toyebi ndenge nini ya kosala. Mais dès que si nous osons faire des choses en excluant la base ekosimba kate, c'est pour cela que nous appelons encore à tous les intellectuels na batu nyoso qu'on puisse réfléchir à ces états de lieux de tes territoires. En fait, ba état de lieux wana nde ekoyela biso mbongwana, c'est-à-dire que mbongwana ya ko créer république, 4e république. La 4e république ne pourra pas être créée à Kinshasa, non. La 4e république doit être l'émanation du peuple à la base. Réflexion à base, tant qu'on va réfléchir, ba koloba, awa il faut tout ça la boya. Aba, à partir de la base, nous avons dit que nous avons dit na province, na province, pour nous avons dit que nous avons compilé ce que Babylon connaît sur le salaire de la base, to compilé, to tinda avons dit que na assemblée nationale, pour que l'assemblée nationale va réfléchir sur une nouvelle constitution. Constitution, on a dit que nous avons proclamé, et puis nous avons surtout se retrouver. À ce moment-là, nous aurons déjà fait. Le grand pas yakopé ça, qu'est-ce que le peuple entend? Nakuna nasé, batunyo so bako discuter sur la nationalité, sur batunini ango, comment est-ce qu'on parle, on va reconnaître les gens,
tout ça, ça doit être administratif. Il faut tout toti ango penza na molongo. À ce moment-là, nous aurons l'opportunité. Il y a koti asiko ba loi ya koloba keno. Awa, voici pour être ministre, pour être tel. Voici les profils que nous voyons. Et puis tout compiler ango na ba texte. Qu'on ne fasse plus les choses à l'aléatoire, au lamou qui l'élo, yondo kozala ministre, oh que camarade nangane mouto kozala boite, babilo kwana se révolue. Il faut que le peuple à la base puisse se prendre en charge. Je suis très très ouvert à ce, aux réflexions bandeko. Si vous m'avez suivi, si vous continuez, vous pensez que vous avez des pensées contraires à ce que je dis ici, vous n'avez qu'à m'écrire, ou bien vous benga to sali ba live, parce que nous faisons parfois des lives. Autre qui bino pe ba toyo audience na biso boyoka ba idée contraire à ce que moi je presse ici. Moi je suis vraiment très content, c'est que idée oyo tant ba toza koyoka ngo mingi baza ko ndima yango mingi baza ko ajouter pe ba bilo ko msusu pe na za ko loba ao. Donc au courant de cette semaine nous allons en parler, mais demain nous parlerons encore une fois de plus de l'état de siège. Bandeko, jusqu'aujourd'hui, Batoazo koufa kaka na beni. Na ituri Batoazo koufa. Et je vous parlerai de la grande partie ya FARDC. Quels sont ces scandales-là qui sont dans le FARDC? Oh, même mon conseil, ça devenu trop. On nous parle de bons résultats, c'est comme si nos gouvernants ont peur de Basoda, Bazo Banga. Nous-mêmes, dans notre pays, nous n'avons pas. On va en parler demain. Ne manquez pas encore vraiment cette émission de demain, parce que nous allons parler de cet état de siège du côté de l'armée. Alors, on va arrêter ici. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Et je vous souhaite encore une bonne semaine. Que Dieu puisse vous bénir. Que toutes vos entreprises puissent aller de l'avant. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Au revoir.